Pour leur soutien, elles ont choisi de battre le pavé. Les populations de la province du Sangué ont sonné la mobilisation ce 21 octobre dans la ville de Réau. Une marche suivie de la remise de leur message au haut commissaire de la ville. Les manifestants ont saisi l'occasion pour mettre en garde les personnes qui rameraient à contre-courant des actions de la transition. Le point de la marche avec Alassane Kendrebego et Sekou Zongo. Mobilisation des grands jours à Réo, le chef-lieu de la province du Sangui. Les populations du Sangui marchent et donnent de la voix en soutien aux autorités de la transition. Elles partent de la place de la Nation de Réo et arpentent les artères de la ville. Dans leur progression, un fait majeur. Les marcheurs font une halte chez le chef coutumier de Réo. Là, les paroles sont saisissantes. Majesté a béni le capitaine Ibrahim Traoré, toute la transition, tous les soutiens, différents soutiens. Sa Majesté a dit qu'il n'en est pas question, il ne doit pas rester en marge. Voilà pourquoi il est sorti pour saluer vraiment cette marche mythique qui se tient aujourd'hui à Réo. Il appelle tout le Burkina Faso à accompagner dignement, accompagner fidèlement, accompagner avec, en tout cas, confiance, honnêteté. Le capitaine Ibrahim Traoré et l'ensemble des membres du gouvernement. Bénédiction et encouragement reçus, et les populations prennent la direction du Haut Commissariat sous un soleil de plomb. Là, les organisateurs déclinent clairement leur message. Ils apportent leur soutien indéfectible au chef de l'État et à son gouvernement. Nous avons donné la date du 21 octobre 2023. Pour mobiliser les forces vives derrière les forces combattantes. À travers cette mobilisation, nous avons profité pour dire au capitaine Ibrahim Traoré que tout le Sangui est derrière lui et son gouvernement. Nous voyons les efforts que le capitaine consent chaque jour pour le retour de la sécurité. Et nous sommes fiers de lui, nous sommes très contents du travail qu'il a là-bas. Vous voyez, nous acceptons d'accompagner nos jeunes. Vous voyez, ils sont sur les fronts chaque jour. Nous ne devons pas rester en marge. Nous sommes disposés et disponibles à les accompagner pour que la paix et la sécurité reviennent dans notre nation. Message reçu par l'autorité provinciale. Elle rassure de le transmettre à qui de droit. Cette marche de soutien aux actions de la transition a été mise à profit pour remettre un chèque de plus de 3 millions de francs CFA, un lot de vêtements, et autres matériels en soutien à l'effort de paix.